Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle partie de Opération Archéo. Donc je vous avais promis une nouvelle partie avec une caméra un peu mieux. Donc c'est ce qu'on va faire, donc je vais lancer cette fois-ci. Vous ne me verrez sans doute pas à l'écran parce que je joue avec le téléphone. Donc on se reste sur une partie flash, c'est pour ça que vous avez une moitié du terrain de caché. On va rester sur une partie facile parce qu'il faudrait que ça aille assez vite. Et du coup, la dernière fois, nous avions fait la flash facile 2 sur la partie 11 à 20. On va faire la flash facile 1 du 1 à 10. Donc, on va commencer. Ah, voilà. Donc, nous sommes toujours avec les règles expire. Donc, c'est-à-dire que la météo va rentrer en compte. Et d'ailleurs, début de la phase de fouille, parce que tout est déjà prêt, c'est beau. Météo 5. Averse. Ok. Cas de 5 ou de 6, relancez le dé et gardez le nouveau résultat. Ensuite, du coup, on va avoir le droit à la carte événement. Alors, formation. Zut, vous l'aviez oublié, la formation extincteur. Si vous la ratez, vos chefs vous tireront les oreilles. Pas le choix, il va falloir y aller. Tous les joueurs lancent le dé. Le plus petit résultat doit aller en formation. Le joueur concerné passe son tour. Tour suivant, le joueur revient frais et dispo, il gagne plus de OD. Ok, donc c'est intéressant. Donc on va faire lancer le dé pour les trois personnages. Alors, Youssef a fait 1. Séverine a fait 2. Putain, et Raphaël a fait 3. C'est beau, c'est pas truqué. Voilà, donc Youssef, tu pars en formation extincteur. Voilà, bon. Bah tant pis. Ensuite, on met le pion pelle mécanique sur la case vide de notre choix. Disons. Le G5, ça me paraît pas trop mal. Hop. Le G5, voilà. Ensuite, du coup, on va pouvoir utiliser un outil. Donc, top. Séverine va utiliser la pelle mécanique en G5. Alors, G5. Non, 5. Voilà. Hop. Pelle mécanique. On va déjà lancer. Parce que ça serait con qu'elle fasse un 1. Bon, 3. 3, 3, 3, ça nous fait 2 actions. Donc en G5, pelle mécanique. Allez. Ah. Déjà un petit quelque chose. C'est pas mal. Bah du coup, G6. Quitte à faire. Pelle méca validé. En G6, pareil. Des nombreux cailloux apparaissent au décapage. Pop. Comme vous l'entendez un petit peu, je suis un peu pris du nez. Ensuite, Raphaël va faire de la pelle méca aussi. Bon. G3-4. Ça commence bien. Merci, Raphaël. Donc ensuite, oui, j'ai pas fait de 5 ou 6, donc c'est bon. Donc, fin de la premier tour. Météo. Re-5, putain. Ça, encore averse. Donc là, Youssef revient avec plus 2 à ses jets de dés. Ok. Et l'événement. Pillage. Remplacer 3 jetons gris par des jetons marrons. D'accord. Bon, ben. C'est bien. On est fixé. Putain. Alors, ça, c'est la poisse. Hein. Ça va être la défaite la plus totale. Je le sens. Et. Porter plainte. Un archéologue passe son tour. Non. Le retour de sa capacité face visible, ne faites rien.
Oh non, mais putain. Du coup, enfin, Raphaël va passer son tour, mais bon, il peut pas. Ah, je sais pas si du coup, il retourne sa carte. Bah, il va porter plainte, mais du coup, il va juste passer son tour, quoi. Voilà, donc là, on est bien, hein. Donc, Youssef, Pelmeka. En G2. 6. Bon, bah super, grâce aux averses, je dois leur relancer le dé. Bon, bah re-6, parfait. Donc déjà, hop, on va la déplacer ici. Donc, j'ai dit G3. G3. Pelmeka. Rien. Bon, on élimine. C'est déjà ça. Ok. Du coup, j'aurais peut-être dû la mettre ici. G3. Du coup, F4. Je peux couvrir 4, c'est ça. Donc encore 3. F4. Pelmeka. Nombreux cailloux. Et E4 en dernière. Toute façon, avec son jet de dés, il y aurait eu plus de à tous les coups donc. Bam. E4, nombreux cailloux. Toup. Voilà. Ensuite, Séverine. Séverine, elle va faire. Truelle. Coup de truelle en F4. Merde. Est-ce qu'il y a des effets ou quoi que ce soit? Pas pour le moment. Ah si, elle peut faire plus une carte objet, donc si ça passe. 6 à la truelle. Du coup en F4. Et du coup, en utilisant son effet, j'ai le droit à un objet supplémentaire. Mais c'est débile, du coup, ça me fait passer à 4. Je sais pas si je peux regarder 4. F4. F4. Truelle. Non, je peux pas plus que 3, donc. Ce sera 3. Bam. Alors, vestige, c'est un mur. Nord-sud. Putain, je fous déjà le bordel sur le plateau alors qu'il n'y a presque rien. Putain, blop. Et j'ai feuille de boucher. Bol en terra nigra. Une estampille. Bon. Déjà, on sait que F4, c'est un mur. Il y a des objets antiques dedans. Ensuite, donc. Donc Raphaël passe son tour. Météo. 6. Orage. Putain, lancer 2 dés, garder le plus mauvais. Oh punaise. Événement. Réseau d'eau arraché. Non mais sérieusement. Moins un au dé de tous les jeux archéologiques. C'est clairement la poisse la plus totale. Donc, mon ami Youssef, tu vas faire un coup de
pelle mécanique. Comment? En D4, sachant que je vais utiliser l'effet de le pouvoir capacité de Raphaël qui donne plus 1 au dé. Là, ça sera 2. Et du coup, ça fait 2 parce que ça annule le machin. Et avec 2, j'ai une case. Ah. Du coup, la pelle méca peut pas aller là-bas. Donc, elle va faire du 3. Pas le choix. Quoi qu'elle peut faire du F2. F2, ça pourrait être intéressant. Pour voir s'il n'y a pas, par exemple. Je pense à. Je sais plus s'il n'y a pas un truc où il y a deux. Ouais, si, il y a. S'il peut y avoir un écart, mettons si on est juste dans cet emplacement-là, au niveau de là où on a fouillé, ce serait ballot quand même. Donc F2, belle méca, bam. Aucun vestige. Bon, ben non. Il n'y avait vraiment rien. Ok. Ensuite, Séverine. Elle va faire un coup de truelle en E4. Donc, ça fait un 3, donc ça fait un 2. 2 en truelle, ça fait un objet, du coup, je peux utiliser son effet. Pour avoir une capacité pour avoir un objet supplémentaire. Donc E4. Bam. Truelle. Et ça fait deux objets. C'est ça. Ouais. Bam. Donc j'ai le droit à une perle melon. Super, et j'avais déjà. La feuille de boucher. Punaise. On approche vite de la fin et je me rends compte que j'ai presque rien. Super. C'est la joie la plus totale. Voyons, voyons. Là, du coup, je vais quand même mettre le mur nord. Alors, tchoup. Voilà. C'est une catastrophe la plus totale. C'est la défaite la plus totale qui s'annonce là. Donc, météo 4. Spatule et truelle en cas de 5 ou 6. Relancer le dé, garder le nouveau résultat. Ok. Et événement. Punaise, cambriolage de conteneur. Moins 1 au dé ce tour-ci pour les archéologues utilisant pioche, truelle ou spatule. Choisissez une option, prenez le directeur. Un archéologue passe son tour, il retourne sa capacité face visible. Volez les outils de vos collègues, lancez un dé. Sur un 1 ou 2, on vous voit. Retournez toutes les capacités face cachée. Toutes les. Oh, ok, d'accord. De toute façon, il ne me reste qu'un seul tour. Après, donc. Bah non, c'est le dernier en fait. On va tenter de voler les outils. Ah, c'est à chaque fois il faut faire. Ok, d'accord. Donc Youssef va nous faire un coup de pelle méca. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive à trouver. Mince. Hop. Et ben, il va utiliser sa capacité qui est de relancer le dé, parce que de toute façon, sinon on peut rien faire. Ah, 4.
4, ça nous fait 3 actions. Donc déjà, on va la déplacer en C3. C3 pour fouiller en C4 la base, j'ai envie de vous dire, peine méca C4, bam, et du coup B4 en dernière action. Bam, caillou aussi. Mais putain, mais c'est super. Ensuite, Séverine. Séverine, Séverine. Putain, mais il faut qu'elle me fasse de la truelle parce que sinon, on n'aura jamais les objets qu'on veut. Bon, tant pis, truelle. 4. Donc ça fait du 3. 3, ça nous fait un objet en C3, en C4. Alors, C4. Bam, truelle, un objet. C'est un mur en or sud. Pas étonnant. Et on a trouvé une dolabre. Top. Ah ouais, mais attends. Ah oui, non, ah. Tant pis. J'ai fait une erreur, j'ai oublié de faire le jet de dés à chaque fois pour le 1 ou 2 pour l'event. Putain. Bon, c'est parce que je suis malade, hein. On va pas se mentir. Du coup, on va le faire avec Raphaël quand même, qu'on soit minimum fair play. Bon, ça passe. On vote le matos de nos collègues. Et il va nous faire un coup de. Coup de truelle. Coup de truelle en B4. Allez. Bon, ben voilà. Au moins, on est fixé. La partie de la loose totale. Donc, maintenant, la phase de fouille est terminée. Phase de fouille terminée. Et du coup, j'ai pas noté. Bon, bah, c'était E4. Mur. Objet antique aussi. Et C4. Pareil. Mur. Objet antique. Voilà. Donc maintenant on passe sur la phase d'étude. Un truc avec un mur antiquité. Quand on regarde un peu les différents sites. Ça peut être soit la maison en pierre. Soit le fanum. Sachant qu'ils ont tous les deux une longueur de 7. Et il y en a juste un qui a une longueur plus une largeur de 5 et l'autre une largeur de. Et vu qu'on a salopé ici, on ne saura jamais ce qu'il y avait ici. Ce qui est un peu emmerdant. Parce que dans les deux cas, là on a des trucs au centre. On a des espèces de petits graviers au centre qui sont notamment les sols, je pense. Puis pour déterminer la taille du machin, ça va être coton encore. De toute façon, on va dire que ça fait 7. Partir à peu près d'ici. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Une chance sur deux, allez. De 1 à 3, c'est la maison en pierre. Et 4 à 6, c'est le fanum. Bon, on va dire que c'est la maison en pierre. Du coup, si on la met comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vu
qu'on a tout salopé de toute façon, on saura jamais. Et du coup, on va dire que c'est une maison en pierre. Pierre. Époque antiquité. De toute façon, on n'a même pas une. On n'a pas une catégorie d'objets. Il fallait compléter deux familles d'objets, on n'en avait pas. Délimiter le site, bah du coup on va dire B4, B8, I4, I8, et on n'a pas de famille d'objets, donc de toute façon on est paysé. Et donc on va regarder ensemble la solution. Alors, fin de partie, oui. Et c'était un fanum. Voilà. Donc, identification, c'est un fanum, donc c'est pas bon. La période antiquité, c'est bon. Les délimitations, B4, c'est bon. Par contre, c'était B10. H4. Ah. J'ai mal compté, peut-être. H4. Et... H10. Bon, bah je me suis chié même dans le comptage. Donc voilà, donc c'était la game de la loose, en plus d'être malade comme un chien. Donc là-dessus, je vous laisse, je vous dis à ciao, à plus, et à bientôt pour de futures vidéos. Allez, ciao, bye bye!